un système qui permet une transition complète. Honnêtement, aujourd'hui, qui accepterait, s'il connaissait le régime universel, de revenir en arrière? Eh bien, nous vous proposons un grand bond en arrière, plutôt que de regarder sans arrêt dans le rétroviseur comme vous le faites. Je veux confirmer à notre collègue Sandra Motin que c'est un grand bond en arrière qui nous est proposé avec cette réforme, comme elle vient de le dire. C'est une forme d'aveu, un lapsus révélateur. La pénibilité, elle peut être réelle, elle peut être réelle, elle peut être physique, mais elle est aussi parfois beaucoup dans la tête. Et quand vous vivez avec une passion, la pénibilité, elle n'est pas vécue de la même façon. Je comprends que le débat soit difficile pour certains, mais entendre, lorsqu'on évoque la situation des exploitants agricoles, que la pénibilité, c'est aussi dans la tête, ça, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre. La pénibilité, s'agissant des exploitants agricoles, elle n'est pas dans la tête. Elle est dans les bras, elle est dans le dos, et dans le corps. Notion de catégorie socio-professionnelle et la consommation de tabac qui sont très liées à l'espérance de vie sont aussi très liées. Et je crois qu'on aurait, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas ou pas beaucoup en hémicycle et qui est un vrai sujet majeur de santé. Sincèrement, monsieur le rapporteur, vous croyez vraiment que les ouvriers meurent plus tôt parce qu'ils fument plus? Moi, je dois vous dire que je suis quand même un peu choqué par la réponse du rapporteur. On parle d'espérance de vie, vous nous en parlez hygiène de vie. Mais est-ce à dire quoi? Que chacun est responsable de son espérance de vie? Comme s'il n'y avait pas une évidente prévalence du cancer pour ceux qui sont exposés aux produits chimiques dans l'industrie? Comme s'il n'y avait pas 17 ans d'espérance de vie en moins pour un égouttier par rapport à la moyenne? Je vais vous citer une citation qui m'est revenue tout à l'heure, je ne l'avais pas prévue. Certains parmi vous ont déclaré « la République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous et vous, vous êtes rien. Ne donnez-vous pas, tous, autant que vous êtes, une image caricaturale de la Ve République sur une réforme, Gilles Legendre, pourtant cruciale pour les Français? Certainement pas tous. L'obstruction, elle est le fait de 33 députés qui ont décidé, depuis le début, de saboter le travail des 544 autres. Honnêtement, moi j'ai honte. J'ai honte du spectacle que nous faisons actuellement à l'Assemblée nationale. J'ai honte de cette mise en scène, de cette théâtralisation. Tout le monde a compris que cela a été fait simplement pour mettre en œuvre et préparer les esprits au 49-3. Mais si vous voulez le 49-3, sortez-le maintenant. N'attendez pas 24 heures, 48 heures ou 72 heures pour sortir le 49-3 et faire du spectacle et prendre tout le monde ici en spectacle à l'Assemblée nationale. Au moment même où le coronavirus arrive en France, au moment même il y a des sujets centraux, je pense qu'aujourd'hui, franchement, il faut raison garder. Moi, j'ai eu honte. Je sais qu'il y a aussi des collègues de la majorité qui ont eu honte. Et je pense que ce n'est pas digne de l'Assemblée nationale, ce n'est pas respectueux du travail parlementaire et ce n'est pas à la hauteur des débats et à la hauteur de la réforme que le pays mérite et attend. Il a raison. Merci.